Salut, c'est JB de jbmarcy.com et on se retrouve une nouvelle fois pour discuter de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va parler du nouveau couple de votre ex avec cette question qui revient sans cesse dans votre esprit, basée sur pas mal d'images, sur sans doute des choses que vous avez entendues, que vous avez constatées sur les réseaux sociaux, parce que vous avez croisé votre ex dans la rue, vous avez grillé une photo, vous avez vu sur Instagram, que sais-je, vous avez vu que votre ex est heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre, et vous vous demandez pourquoi cette nouvelle personne est entre guillemets mieux traitée que vous ne l'avez été pendant votre relation. Parce que vous avez cette impression, d'ailleurs parfois vous avez raison, qu'il ou elle a plus de droits, il ou elle a tout de suite plus d'autorité que vous. Peut-être que vous avez vu une photo avec la famille, avec les amis, etc., etc., et vous vous dites que ben moi ça s'est pas passé comme ça et j'ai l'impression qu'on donne à cette personne de meilleures chances que moi de s'imposer dans la relation, de faire son trou, d'être aimé tout simplement et d'aimer aussi la personne qu'on a face à soi à sa juste valeur. Et ça, ça relève chez vous, ça crée une énorme injustice, une volonté de tout casser, hein, on va être honnête, ou en tout cas de mettre les points sur les i. La véritable question qu'il faut se poser, c'est la réalité de tout ça. Je ne remets pas en cause le fait que vous avez vu, que vous avez peut-être des informations, mais il faut s'interroger sur les différents, non pas scénarios, mais les différentes possibilités, les différents affects psychologiques d'une telle situation. Il faut pas oublier que votre ex, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, est un être humain. Je sais, ça paraît simpliste comme ça, mais qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'on a une personne qui, comme vous, vit ou a vécu une rupture amoureuse, a dû s'adapter, même si vous avez l'impression que c'est allé très vite et qu'on s'est pas adapté comme vous auriez aimé qu'on s'adapte, c'est une manière de s'adapter, que cette adaptation suppose une volonté de faire les choses différemment. Le couple qu'on a vécu juste avant, le vôtre, n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, que votre ex analysera de manière personnelle, à tort, à raison, son analyse sera tout simplement basée sur son ressenti, ses expériences, et on va aujourd'hui, à travers ce nouveau couple, tenter de faire les choses différemment. Alors oui, c'est vrai que la personne qu'on a face à nous ne va pas forcément avoir le même traitement de faveur. Et puis, une autre chose qui influence, c'est que ce que vous voyez, c'est la comparaison d'un début versus une fin. Vous avez cette tendance à comparer avec la fin. En tout cas, les images que vous avez de votre couple, elles ont toujours cette espèce d'angle, cette espèce de lumière dessus, où vous savez qu'à la fin, ça finit pas bien. Là, la vision que vous avez de la tierce personne, d'ailleurs on m'a posé la question encore cette semaine, à me dire, mais si c'est la bonne quoi, si on tombe amoureux de cette personne, c'est forcément votre prisme personnel qui parle, c'est votre volonté, pas forcément de vous trouver une excuse, mais en tout cas de véritablement rationaliser la situation qui parle, et forcément on sort de toute objectivité. C'est pas une problématique absolue de sortir de l'objectivité, je suis pas en train du tout de vous taper sur les doigts, mais c'est vrai qu'à travers un tel système de pensée, de raisonnement, on se fait beaucoup de mal pour rien, parce que on se base sur des images et on a une absence absolue de savoir, de connaissance et de capacité du coup d'analyse réelle et objectif sur ce qu'est le couple de son ex. Bien évidemment, au début, tout a l'air heureux, c'est agréable, ça a l'air sympathique, on fait plein de choses, etc., etc. Vous ne savez pas comment et quand l'effet de comparaison va commencer à entrer dans la partie, hein. Je vous rappelle le fameux pot de crème fraîche. Alors je sais, beaucoup de gens me diront, bah oui, mais moi, la personne qui est avec mon ex a l'air d'être bien, donc c'est pas la même chose, etc., etc. La question n'est pas d'être bien ou de ne pas être bien, vous êtes vous-même, et il y a forcément en vous des choses que votre ex aimait qui ne sont pas présentes chez l'autre personne, et il va forcément y avoir cet effet de comparaison. Le tout couplé à votre communication légère et agréable, vous n'avez absolument aucune idée de la manière dont votre ex assimile toutes ces informations. Hein, vous n'avez absolument... vous êtes dans cette logique que votre ex est un peu dans un trou noir, qu'il y a votre communication d'un côté, mais de l'autre, il est tellement heureux que si je lui envoie un texto, même s'il me répond, il s'en fout, elle s'en fout, elle n'y pense plus, elle fait ce
qu'elle a à faire avec ce nouveau type ou avec cette nouvelle nana, et on est heureux, etc., etc. Et puis on vous oublie complètement, on vous met au rancard. Ça, c'est votre manière de voir les choses. La réalité des faits est plus complexe, le cerveau humain est plus complexe, la psychologie est plus complexe, et la personne que vous avez face à vous, même si elle ne communique pas sur ce terrain-là, avec ces termes-là, continue de réfléchir à la réalité de ce que vous proposez et à travers ce nouveau prisme qu'est la nouvelle relation. Alors, je vous dis pas que nécessairement, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, on va revenir vers vous. Hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis juste que l'impression que la personne face à vous soit mieux traitée, eh bien, découle aussi de votre vision relativement négative du couple, puisqu'il s'est arrêté, dans l'injustice. Relève aussi d'un contraste entre une fin et un début, la fin malheureuse, le début paraissant absolument parfait, et que tout ça influence forcément la manière dont vous voyez les choses et tape sur votre objectivité et sur votre volonté d'accepter que oui, les choses sont encore possibles. Encore une fois, la reconquête, c'est un marathon, ça met du temps, et ce genre de choses, même si extrêmement décourageant, n'est pas nécessairement rédhibitoire, et à mon sens, il faut continuer le travail. N'hésitez pas à venir en parler avec moi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à les liker aussi, tout simplement, à cliquer sur le déroulé de cette dernière, hein. Vous avez sous chaque vidéo une petite flèche qui vous indique tout plein de liens très intéressants pour continuer un travail beaucoup plus personnalisé sur votre reconquête amoureuse. Je vous attends pour commencer le travail. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Salut à vous.